After conquering the South, we used that momentum to go on and defeat Wei. All that remains in our path is the broken-down kingdom of Shu. Sun Jian, Sun Se, and Sun Quan. I am proud to serve three generations of such fine warriors. There is no other officer more fortunate than I. Let us make the Sun family's dream a reality by winning here at Huaidi Castle. My lord, let us get going. The land will soon be ours. Ah, the land we have struggled to achieve lies before us. The only enemy left in our way is Shu, and their commander Liu Chan is at Baidi Castle, which shall serve as the place for the final battle. This battle is going to prove to be a difficult siege. Huang Gai, you go from the left and work your way up to the outskirts of the mountain. Your target is the enemy commander, Liu Chan. Huang Gai, you are truly a general that we can be proud of. Wu needs this battle in order to unite the land, so please give it your all. The time has come for us to realize our destiny. Get out of my way. Now the three kingdoms divided by Zhuge Liang shall be as one! Let's go! This has long been the dream of my family. Today it shall be realized! La bataille du château de Baidi, bataille finale pour Huang Gai. C'est assez drôle du coup, ils ont quand même pas mal ellipsé encore une fois et du coup ils considèrent que le Wei a déjà été vaincu sous ellipse en fait. Donc il reste plus que le royaume du Shu, dirigé par Liu Chan, le fils de Liu Bei. Et c'est quand même, du coup c'est un royaume qui est vachement affaibli par rapport à nous, et on a un avantage assez monstrueux du coup. Ok, donc pour la bataille finale, je mettrai le costume numéro 2. Vous comprendrez pourquoi. Nous avons pour objectif de vaincre Liu Chan, nous perdrons si Sun Quan est vaincu. Avec nous, Sun Quan, Zhuge Jin, Luxun, Huang Gai, Quanzong, Zhuan, Zhu Tai, Zhu Sheng, Zhu Ran. Contre nous, Liu Chan, Jiang Wan, Fei Yi, Yang Yi, Ma Chao, Ma Dai, Wang Zong, Wang Ping, Yan Yan, Jiang Wei, Li Yan, Gao Xiang, Xing Kai, Zhang Bao, Zhang Yi, Guan Xing, Guan Su, Liao Hua. Nous avons acculé le Shu au château de Baidi. Si nous battons leur chef, Liu Chan, le pays appartiendra au Wu. Luxun élabore un plan pour encercler le château de Baidi et éliminer le Shu. On écoutera le plan. Hein. C'est parti pour la bataille finale au château de Baidi. My lord, victory is almost ours. It will not be long before you achieve what your brother had always dreamed of. Huang Gai, let's win the day and then drink until morning. Whatever you say, that sounds mighty good to me. Charge! This whole land will soon be ours! We'll surround Baidi Castle. The main army shall protect the center. Huang Gai will begin encirclement from the left flank. While Zhou Tai secures the space for our reinforcements on the right. Je suppose que vous comprenez pourquoi j'ai choisi ce costume pour la fin. They're trying to take the base! Stop them! Parce que Huang Gai est vieux. Genre, très vieux. C'est en prenant en considération qu'il combat depuis la révolte des turbans jaunes en plus, et qu'il était déjà vieux à l'époque. Il est très très vieux, techniquement. Donc ouais. Mais le seul défaut avec ça, c'est que... Bah malheureusement, dans la cinématique de fin, il aura son skin de base, Huang Gai. Mais bon, on peut rien y faire, ça.
is our country, and we'll defend it ourselves. Enemy officer obliterated. Parfait. Continuons notre avancée. They're trying to take the base. Stop them. Bon, ce qui aurait été sympa dans le mode histoire de Wangai, c'est que il a tout de même affronté un ennemi différent pour chaque bataille finalement. Ça a été Turban Jaune, ça a été Uxing, Liu Biao, Cao Cao, Menguo, et pour finir, Liu Chan. Je passerai par le labyrinthe des sentinelles de pierre après, je pense que je vais aller aider par là. Hey old man, come and fight me. Oh. Wang Zong a défié Wang Gai. T'es aussi vieux que moi, gros con. Look out! Run! There are archers coming this way! Damn! Trapped like rats! You fell for it! C'est bidon. Oh merde! Non, c'est bon. Y'a pas de corps expéditionnaire en haut en fait? Merde, dommage. Je pensais. Si les cailloux tuent vos propres troupes, c'est un peu con quand même. Aïe. Oh. Bon, il est où ce vieux con? Enemy officer obliterated. Tu vas où, Wang Ping? Ah, t'étais un sous-officier de Wang Zong, soit. Faudrait que j'aie chopé Ma Chao là. Ouais,
Ouais, après le labyrinthe des sentinelles de pierre, je m'en occupe aussi, y a pas de souci. Il est où, Machao? Il se fait tuer? Sandek. Non. C'est qu'il respawn. Il a des spawns et il respawn normalement au bout d'un moment. C'est plutôt ça en fait. Donc vaut mieux que j'attende un petit peu dans la zone. Je vais aller tuer ces sacs là. Bon, tu viens, Machao? Pas que ça à foutre. Si je tue des paysans pour le leurrer, ça peut marcher. Hein. Enfin, je crois pas qu'il en reste. Hein. Ils ont dû déjà tous être massacrés, les paysans. Il y a des chances. Ah. Bon, c'est long, là. My blade will make you pay for your injustice. Ah, le voilà. Justice is with me. Prepare yourself. My spear will run right through to your soul. Allez, c'est parti. I'll cut your head with the sharp edge of justice. I will crush you. Jotaro. Leave this to us and return to our master. You fulfilled your duty. Go and treat your wounds. Allez! C'est moi qui dois l'achever. Never fails. What? Jaundice? Then you should be in bed, kid. Tu en fais une jaunisse, c'est parce qu'il a mis le mesurage ou. Très bien. Jotai, thank you. It seems you're always coming to my rescue. No. I fight for the sake of Wu. Right. Everyone, follow Jotai. Parfait. Machao, il avait un cheval, mais visiblement il a disparu. Bon, c'est pas grave. Moi, je retourne à mon affectation qui est censée être tout au nord, au niveau du labyrinthe des sentinelles de pierre. C'est parti. Là, les bots m'aident pas mal, là. Ça me fait gagner du temps.
Quickly, secure the position for our reinforcements. Bon. Alors, voyons voir à quel point ce labyrinthe est labyrinthique. La statue suspecte. Hop là. Ah. Les gardiens du labyrinthe des sentinelles de pierre. Très bien. Master, the time has come. Order the army to march. On va pouvoir y aller. À l'assaut. Oh putain de baliste. Ah. Ah. C'est sac à PV les balistes en plus. C'est l'heure de rager. So much left for me to accomplish. Enemy officer obliterated. Parfait. Ah, ça a arrêté. Enfin, je sais pas si. Ouais, non. Ça a arrêté que dalle. Il reste les autres balistes. Je sais plus s'il y a un moyen de juste les arrêter en fait. Il me semble pas que dans Dynasty Warriors ce soit possible d'arrêter les balistes. Faut juste les détruire quoi. Ça suffit les conneries ? Ok, je prends cher. Set the base on fire. Now is the time for a fire attack. Ok. L'intérim save, s'il vous plaît. Ok petit crapaud, je vais te rager dessus. Just as you predicted.
T'arrives un peu tard, Xinkai. Bon, ça servait à rien d'aller tuer les grognasses, hein. Victoire du Wu. We captured Bai Di Castle and killed Liu Chan as well, bringing an end to Shu and its dreams of a land of virtue. Perhaps it was too great of an ideal to be realized. What the people want is to live a life of peace, and the Kingdom of Wu shall be able to give that life to them. We must work hard to create a land that would not be ridiculed by Cao Cao or Liu Bei. Et voilà, l'unification du pays est faite. A new bis- Il ne reste plus qu'à profiter de la ending. It was during the final days of the year 200 AD when the Han Dynasty saw its end. Its demise ushered in a new era of chaos, brought on by several regional lords vying to rule China. There were those who sought absolute power, as well as those who fought for justice, and some simply fought for the sake of their beliefs. Many would rise and fall in their attempts to dominate the land. Huang Gai from the Lingling region. Although raised in poverty, Huang Gai trained hard in the martial arts to become one of the toughest warriors of his time. In 184 AD, he joined Sun Jian's army immediately upon hearing of the draft. He dedicated himself to Sun Jian's campaigns against the Yellow Turbans and Dong Zhuo, contributing tremendously in both. When Sun Jian was killed by an enemy arrow during an attack against Liu Biao in Jing, it was Huang Gai who cheered up a depressed Sun Se and helped the Sun family escape disaster. When Sun Se passed away, Sun Quan became the new ruler of Wu. Huang Gai dedicated his life to supporting Sun Quan's efforts to achieve the dreams of his father and brother, thus strengthening the bond between the old and the new. During the Battle of Chi Bi, Huang Gai's efforts resulted in a successful fire attack, securing a miraculous victory for Wu. He continued to serve and protect Sun Quan in subsequent battles, despite his old age. Wu prevailed, and the days of fighting finally came to an end. Perhaps the most loyal warrior to the Sun family, Huang Gai served three generations of Sun family leaders and spent the remainder of his life protecting Wu. These tales, passed on for generations, have endured the tests of time and continue to fascinate their listeners even today. Bien. Donc sans compter le mode légende, il y a eu 5 niveaux avec Huang Gai, pour un total de 2445 KO. Un total de 22151 points, le tout en 59 minutes et 23 secondes. À la révolte des turbans jaunes, 590 ennemis ont été tués. À la province Jing, 413. À Chibi, 762. Pardon. À Nanzong, 267. Et à Baidi, 413. Allez, je vous laisse profiter de la cinématique de fin.
My lord. Lord Sunsei. Lord Sun Quan has made your dream a reality. Wang Gai. Wine is best drunk with friends. Wouldn't you say? Agreed. Today, we must celebrate our victory. Et on lève notre verre devant les tombes de Sun Jian et Sun Tse. Sun Quan a réussi à réaliser vos rêves, Sun Jian et Sun Tse. Très bien. Donc, on termine sur une unification avec Wang Gai, donc c'est plutôt cool. Je vous remercie d'avoir suivi l'histoire de Wang Gai, on se retrouve pour le personnage suivant.